Salut à tous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Et oui, au bout de 2 ans d'arrêt sur ma chaîne YouTube, je reprends les vidéos. La vidéo qui va suivre, c'est sur mon ascension, on va dire, des Spartan Race. Mes 3 courses que j'ai parcourues. Vous montrer un peu comment ça s'est passé, les vidéos, les parcours que j'ai réussi à passer. Alors, les Spartan Race, c'est quoi? C'est des types de courses, un trail en fait. Alors, il y a différents types de courses. Il y a la plus grande course qui est 50 km. Après, vous en avez une plus petite de 20 km, une autre de 10 km et une autre de 5 km. Et une kids. Moi, j'ai participé à la 50 km, la 10 et la 5 km. La 50 km, c'était pour les championnats du monde. Donc, je vous laisse imaginer qu'il y a des machines qui ont participé à ces courses. Des machines qui ont réussi plein de fois à aller dans le top 3. Donc voilà. Moi, j'ai été en tant qu'amateur. Je me suis entraîné pendant un an pour cette course. Pour réussir, entre guillemets, à terminer cette course. Alors oui, j'ai peut-être pas réussi à la terminer entièrement. Je me suis fait bloquer par la barrière du temps. Parce qu'il faut savoir que sur la 50 km, on avait une barrière de temps pour éviter que la course dure très long, 10 heures, 11 heures, 15 heures pour certains. On a une barrière de temps à franchir avant 17 heures. Sauf que nous, on n'a pas réussi à parvenir et on y est arrivé vers 18 heures. Mais on a quand même parcouru 40 km. J'étais surpris de moi parce que même moi, je ne savais pas que je pouvais parcourir 40 km en une journée. Après, c'est pas que de la course, il y a aussi 60 obstacles aussi à franchir que vous allez voir pendant la vidéo. Je voulais filmer pour que vous avez une visu de ce que moi j'ai vécu, mais j'ai pas pu avec ma GoPro parce que ça allait me gêner. On devait aller dans l'eau, on devait sauter et j'avais peur aussi de la perdre et de la casser. C'était pas mon but. Donc, vous allez quand même me voir sur certains obstacles qui se passaient dans la ville de Manzine. Donc, tout le monde pouvait y participer, nous filmer. Un grand merci d'ailleurs à mes amis qui m'ont filmé. Donc, voilà, je vous en dis pas plus. J'ai aussi, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'obstacles répétitifs. C'est parce que j'ai participé aussi à la 10 km et la 5 km. Où j'ai mon, sur les vidéos ou sur les photos, où j'ai mon chasuble violet. C'est lors de la 50 km pour un peu vous repérer et où j'ai pas de chasuble ou parfois même je suis en torse nu parce que je vous laisse imaginer qu'il faisait une chaleur de plomb. Et ben c'est la 5, la 10 et la 5. Il faut savoir juste avant que la vidéo commence qu'on a parcouru quand même 11 heures de course et pour la 50 km et 2000 mètres d'altitude à monter. Donc voilà, je vous en dis pas plus, je vous laisse visionner cette magnifique vidéo et bon visionnage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, let the party begin and good luck everyone! Allez, nous allons demander aux athlètes de la vague suivante. Même si vous n'avez pas pu prendre ce départ, ce n'est pas un problème. Ce sera le dernier départ. Le dernier départ. Nous allons attendre tout le monde. S'il vous plaît, préparez votre matériel. Allez, bien parti.
y a Thomas. Et il y a Seb.
Peut-être que j'en ai motivé certains pour participer, pourquoi pas, à une éventuelle prochaine Spartan Race qui se déroulera en 2025. Pour ceux qui sont motivés, n'hésitez pas à m'envoyer un message, n'hésitez pas à ramener du monde et pourquoi pas faire la course tous ensemble. Donc voilà, sachez que tout le monde peut réussir avec de l'entraînement, de la détermination, de l'acharnement et surtout du mental. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner et à marquer un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss!